combattre devant le public français, quel est l'effet que ça vous fait? Déjà, bah, ça galvanise en vrai. Parce qu'on boxe devant sa famille, devant son public. Les gens qui n'ont pas pour habitude de pouvoir se déplacer, là, ils sont là. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et on a hâte d'y être et de faire plaisir à tout le monde. Parce qu'en vrai, de vrai, on partage un plaisir. Donc, en faisant une grosse performance, on fait plaisir aux gens qui sont venus nous voir. Et eux, en venant nous voir, ils nous font plaisir. Donc voilà, c'est un peu un partage de plaisir. Voilà. Comment dire, je rejoins totalement De Galis sur ce qu'il a dit. C'est vraiment ça. Boxer chez nous en France, c'est incroyable, autant pour le public que pour nous. On est vraiment motivés et on va leur faire le spectacle. Est-ce que ça vous aide justement de combattre devant ce public parisien? Bien Ça sûr. vous motive? Bien sûr, d'un côté, ça met une pression supplémentaire, mais d'un côté, ça motive beaucoup. Surtout que moi, comme les collègues, on combat beaucoup à l'étranger. Donc, ça fait toujours plaisir de boxer en France. Il y a toujours une pression quand on boxe devant son public, mais c'est une bonne pression qu'on arrive à gérer parce qu'on est loin du niveau amateur. Là, maintenant, c'est vraiment une pression qui est là, mais qu'on gère et qui nous aide. Et qui nous aide à dépasser nos limites lors des combats. C'est une pression saine et positive Exactement, qui vous c'est l'énergie transcende. positive qui nous aide à pousser plus loin, être plus fort, plus endurant et plus déterminé. Et est-ce que au niveau de la préparation physique, est-ce que vous avez vu des vidéos des adversaires, oui? Est-ce que vous avez analysé les combats avec les vidéos? Comment vous avez préparé ce combat pour demain? Pour ma part, moi, j'ai pas vu de préparation de mon adversaire. J'ai pas été espionné pour voir. J'ai regardé quelques-uns de ses combats et je me suis fait une petite idée. Et du coup, on verra demain ce qu'il en est. Moi, j'ai analysé, j'ai préparé un game plan pour lui et voilà. Moi, il paraît que Jagili passe spécialement. Après, c'est les trois adversaires qu'on boxe, c'est des adversaires qui boxent au Glory déjà. Donc, on a forcément vu de leur combat avant même de savoir qu'on les boxait. Donc, on se connaît tous dans ce circuit. Donc voilà. Merci beaucoup, hein, messieurs. Merci Merci à vous. Bonne journée demain. Merci.